Il faut que l'urine passe dessous et que l'avaloir ne renvoie pas l'urine entre les cuisses. Parce qu'avec la poussière des chemins, ça va faire abrasion et après pour faire des soins là entre les cuisses, c'est pas bon. Côté, le mal on s'en fout. Hein? Le plus haut possible, sauf qu'il ne faut pas que ça monte sous la queue. Voilà. Ok ? Très bien. Alors là, ça c'est des caisses américaines qui peuvent servir pour de l'agricole. Pour mettre des patates, des châtaignes, ce que vous voulez. C'est le fond tambour. Il faut que l'animal il soit désensibilisé. Hein? Sinon, ça risque de faire tambour. Le fond fort, hein? Tambour du Bronx. Ah, il y a longtemps qu'il y a un ami. Que tu nous en as pas fait. C'est vrai. Quand c'est vide, c'est beaucoup plus facile à charger. C'est fini. Bien sûr. Les charges, elles sont pleines d'habitude. Pardon ? Les charges, elles sont pleines d'habitude. Eh oui. Et tu peux les acheter avec le bas, celle-là ? Ah non, absolument non, c'est pas. Américain. Là, j'ai utilisé un arçon qui est identique à celui-là, que j'ai enlevé beaucoup de ferraille. Et les caisses, ça se commande. Guichard, il peut vous importer les mêmes. D'accord. Mais Guichard, c'est lui aussi qui vend les bas ? Non, les bas. Non, les bas, c'est au stock Montélimar. Non, Guichard, il fait aussi les bas. Guichard, c'est lui qui fait aussi les bas. Ouais. Non, mais les bas de l'armée, c'est pas non, Guichard. Non. Ah, non, non. Guichard, c'est Haute-Pyrénées, là. Ouais. Pardon Ah, si, c'est où il y a Olivier Courtière, Guichard, la Bastille, le Ferro. Je croyais qu'il avait vendu tous ces trucs, puis qu'il l'a vendu à Vincent. Non, non, la semaine dernière, il y a deux mois, il était encore. D'accord. Il a vendu, mais il a recommencé. En vacances. Ouais, je croyais qu'il avait vendu des. Je sais plus. Ok. Donc, j'ai mis deux crochets, là. J'ai accroché mes caisses, une sous-ventrière anti-ballant. Maintenant, ça fait corps avec l'animal. Hein? Et la sous-ventrière, tu l'as serré fort du coup ? Émile, la sous-ventrière, tu l'as serré fort aussi ? Tu la sangles fort ? La sous-ventrière, elle est serrée fort. Elle est vraiment serrée, ouais. Oui. On peut mettre. Là aussi, il faut désensibiliser au volume. Oui, si je monte ça là-haut, si elle se barre là, et que ça fait 20 kilos, j'ai l'air malin, moi, avec 20 kilos au bout des bras. Je vous fais remarquer un truc, c'est que je suis à touche-touche avec la mule. Je prends beaucoup moins de risques que si je passe ici. Vous voyez ? Si je passe ici et qu'elle envoie le pied, je vais être en bout de course. Le pied aura beaucoup plus d'élan que si je suis là. D'accord ? Et puis je garde le contact, on est dans la même bulle tous les deux. Hein ? Donc elle sait que je suis là. Tandis que là-bas, elle ne me voit plus. Donc si je suis au contact, elle sait où je suis. Si je suis là, elle ne sait pas où je suis. Vous voyez ? Donc c'est beaucoup plus dangereux. Avec un vieux routier, une
un cheval qui a du métier derrière. Ce système d'arrimage est suffisant.